la base, je suis pas du tout de ski alpinisme, et puis je me suis dit que c'était, et puis avec Benoît, que ça pouvait être un axe de progression pour le trail. Donc je me suis mis doucement, pas dans l'ambition, mais pourquoi pas faire un jour la Pierre Monta, et puis voilà, c'est parti comme ça. Et puis là, aujourd'hui, bah, ça va me servir de préparation, surtout pour le Mont Fuji en avril, mais aussi une préparation pendant l'hiver pour le trail de manière générale, voilà. Moi, je me suis laissé embarquer dans une belle galère. Moi, je pense que c'est effectivement un bon axe de progression pour le trail, parce que ça nécessite de beaucoup travailler un aspect particulier qui est le travail d'endurance de force, qui est quelque chose dont on a vraiment besoin sur l'ultra. Et une épreuve comme la Pyramide, quand tu vas faire nous on aura au total avec les échauffements, on aura au moins 11 000 mètres de dénivelé en 4 jours. À pied, tu peux pas faire ça, quoi. 11 000 mètres de dénivelé en 4 jours, tu le fais, oui, mais il te faut 3 semaines, 1 mois pour récupérer. Placer la Pyramide comme un espèce de mini-objectif dans la préparation, c'est vraiment super intéressant pour ça. Les conditions météo, ben, on a une succession de perturbations qui vont défiler là, quasiment toute la semaine, hein, en flux d'ouest, nord-ouest, ouest-sud-ouest. Donc il va neiger quasiment tous les jours. Donc cette nuit, il va neiger à peu près 15 à 20 cm, donc entre minuit et 6 heures à peu près. Et puis bah, bonne course, merci. Qui est bien sympathique, des coureurs qui viennent un petit peu de partout, qu'on retrouve et puis avec qui on s'entend généralement très bien pendant la course et après la course. Donc voilà, c'est vrai que c'est ma 11e et je suis bien content d'être là à nouveau. Ta course elle est morte quoi. Les peaux sont prêtes. Hein. Aussi. Ah, je suis chaud du poignet là. Voilà, maintenant on va être le reste du mode obligatoire là. Là vous voyez bien la deuxième vague des chamois. Non mais par contre vous êtes bon parce que quand je vois là ça en arrive encore une flopée là. Ouais. Je sais pas combien on finit, on a dit on va pas dans les 120 par là.
Moi, je peux demander des infos à Xav pour avoir, tu vois, une idée plus précise de comment il faudrait préparer sa saison ou des objectifs. Et puis après, ben, dans l'autre sens, Xav, il va demander autant d'infos dont il a besoin. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, quoi. On n'est plus vraiment dans le rapport classique entraîneur-entraîné, en fait. C'est quelque chose qui est devenu très naturel. C'est vraiment c'est un rapport d'amitié et de confiance. Ah bah ouais, quand il y a des impacts, quand il y a des gros impacts, en fait, il faut vachement d'énergie pour arriver à libérer. Là. Tu peux te blesser, il peut t'arriver plein de trucs sur une épreuve de ce genre-là, surtout dans les conditions dans lesquelles on a skié ce matin. Hein, il y avait des endroits, les descentes, c'était chaud, quoi, vraiment chaud. Même la dernière descente à pied, là, c'était un chantier. Et vous aimez bien quand même, vous passez un bon moment ou pas top? Ben là, ce passage-là était assez moyen. Tu prends, non, mais en pas, général, tu vois, sur la course, là. Tu prends pas du plaisir. Ouais, c'est cool. Si, si, moi, il y a des moments où j'étais. Ben, quand tu sens que, tu vois, ça avance bien et tout, que t'es ouais, bon tempo, il y a une ou deux descentes où tu pouvais aller chercher un peu la puff sur le côté et tout, c'est quand même sympa, quoi. Ouais. Non, mais tu te fais plaisir dans l'effort. Tu te fais aussi plaisir dans l'effort, exactement. Là. Tant que t'as pas l'hypo, ça va. C'est, après, c'est horrible, hein, t'avances plus et en plus, là, tu te fais mal. La pression qu'il nous met celui-là. T'as gagné, c'est bon. T'as gagné, tu peux venir. Tu peux dire bonjour. Tu peux manger, c'est bon. T'as le droit de manger. T'as les jambes. Hein? Tu sens que t'as les jambes. Je sais pas. Allez, gars. La durée était interminable, 33 km, 2800 mètres de dénivelé. Xavier, lui, il casse une fixation qu'il lâche dès la première descente. Donc en fait, il a fait toutes les descentes sans pouvoir enclencher la talonnette derrière. Et ce qui fait qu'il a tout fait en télémarque dans des conditions de neige qui sont super dures. Et en fait, c'est con parce que j'étais sur l'offensive là tout le temps. Ouais, tu les sens moins bien que le premier jour. Et du coup, ça me freine là aujourd'hui, je suis pas du tout à l'aise. Bah oui, parce que t'as peur que ça t'arrive à nouveau. Peu importe le résultat, tu vois, si on faisait la course à bloc pour aller faire un classement, le fait que moi je coince dans une bosse ou que Xav ralentisse dans une descente, ben on se dirait merde, on a perdu du temps et tout, c'est un peu dommage. Là, on s'en fiche, quoi. On prend le truc comme il vient et puis voilà. On se fait juste plaisir à aller faire 4 jours en montagne sur un événement qui est quand même un événement un peu à part et un peu mythique quand même. En plus, c'est bien parce que tu vois bien, tu fais chaque jour, tu fais quand même une bonne séance. Mais en même temps, derrière, ben, tu vois, tu récupères, tu as le massage, tu manges, tu redors, tu fais la sieste, etc. Donc en fait, tu as un vrai bon gros bloc de préparation. Mais avec toutes les phases de récup qui vont bien, donc tu n'entames pas vraiment ton organisme.
plus ou moins les détails de la course avec vous. Rien cassé ? Rien cassé. Le prochain objectif, là, c'est au Japon, dans un mois, l'Ultra Trail du Mont Fuji. Donc 165 km, 8000 mètres de dénivelé. Et puis là, y a encore un beau chantier. En fait, c'est particulier le Mont Fuji parce que ça nécessite des qualités qui sont difficiles à rassembler chez un coureur d'ultra. Il y a des parties très très roulantes qui sont assez longues. Et il y a des parties qui sont extrêmement raides, pentues, où c'est vraiment du crapahut presque. On pourrait penser que ça ressemble beaucoup à l'UTMB. Et en fait, c'est pas du tout les mêmes profils vraiment de terrain. Je suis inscrit à l'UTMB parce que il y a une deadline et puis donc je me suis dit ce serait con de manquer l'UTMB si je suis en forme, donc autant s'inscrire et puis on verra bien comment je récupère de la hard rock. J'ai fait deux fois la hard rock, l'année dernière il me manquait 15 bornes mais on peut dire qu'elle était presque bouclée et l'UTMB s'était bien passé derrière. Et je l'ai fait en 2016 aussi, la hard rock, et puis j'ai fait sur le mois d'août, j'ai fait l'OCC, et puis c'était super bien passé, puis en plus sur une distance qui ne me correspond pas forcément, j'ai eu vraiment les watts, donc à chaque fois que je fais la hard rock, derrière ça se passe pas trop mal. C'est sympa l'ambiance de préparation. Ah, cool. J'arrête à bien là à écouter. Hein. We'll be right back.
épreuve en équipe. Ouais, c'était cool là-haut. Ah merde, c'était cool. Priez de rendre le bâton qu'on vous a prié. Donc, si on laisse... C'était bien ça aujourd'hui. Les descentes, c'était ça, oui, Highway to Hell. Exactement. Et voilà. Bravo. See you next year. Tu dis tout le temps, tu dis tout le temps ça, en ultra, il n'y a pas un ultra où je me dis t'es con, c'est bon, j'arrête, c'est mon dernier parce que ça fait trop mal, mais pourtant t'y retournes. Et à chaque fois tu te fais avoir. Et puis donc là je peux pas te dire si demain j'irai à la pierre ou pas. Enfin, ça. Tu vois les descendre comme je suis pas bon et puis ça. J'ai pas forcément un super souvenir là au moment même dans la tête, mais dans 20 minutes ça se trouve ça sera oublié, puis certainement que je ferai d'autres courses, ouais. Mais comme ça je sais pas.